Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo Tu préfères. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Comme vous savez, j'adore ce concept parce que ça crée du débat, ça crée Mathis qui parle. Je voulais le faire avec quelqu'un d'autre, mais la prochaine fois, on essaiera. En fait, je voulais au départ refaire un surcoté sous-coté parce qu'on me l'avait demandé. Comme je suis quelqu'un de très généreux, je m'étais dit Mathis Banco, fais-le, fais plaisir à ta YouTube community. Enfin, vous avez compris, la communauté YouTube, quoi. Je parle pas très bien anglais, hein. Attendez, laissez-moi boire un petit coup. Ça fait plaisir. Du coup, je me suis dit, je vais le faire, par bonté et par gentillesse. Mais malheureusement, le site d'Horizon, le site qui permettait tout simplement de faire le surcoté sous-coté n'existe plus. Alors j'en ai cherché un autre. Pendant des heures durant, il n'en existe aucun autre. Du coup, j'ai recommencé, tu préfères, mais avec un nouveau site, enfin une application plus précisément. Du coup, on va commencer, pas tout de suite, parce que j'ai d'abord quelque chose à dire. Mais après, on va commencer le tu préfères, nouvelle génération, nouvelle question, parce que l'autre était vide. Hein. J'aurais pu recommencer avec l'ancienne version, mais l'autre site était complètement vide. J'avais tout fait, je tournais en rond, j'ai déjà essayé de voir un peu ce qui restait. Il reste plus grand chose. Ou alors des trucs complètement débiles. Rien de très intéressant. Donc je me suis dit, Mathis, télécharge une application sur ton téléphone, le format sera un peu différent, mais finalement, ça reviendra au même, ça sera un tu préfères, Mathis exposera son avis, exposera ses volontés, ses choix au grand public, et les gens n'y verront que du feu ou pas. Mais avant toute chose, un petit message à ceux ou celles, je ne sais pas, qui ont tagué dans le lycée des Eaux-Claires à Grenoble, ma chaîne YouTube, c'est pas une bonne idée. Vraiment, c'était pas une bonne idée, parce que d'une, ça peut vous porter préjudice, hein, si on vous chope ou quoi, ça aurait pu être dangereux. De deux, c'est pas bien de taguer, ça abîme le matériel et tout, bon, même si je sais que c'est sur la table de ping-pong qui est complètement défoncée, mais c'est pas une raison quand même. Et de trois, ça peut me porter préjudice à moi, et c'est ça le plus important. Bah oui, parce que les gens me connaissent dans ce lycée, vous, quand je suis pas porté disparu, voilà quoi, enfin, on me connaît, donc si la proviseure adjointe, qui connaît ma chaîne YouTube, ouais, voit ça, c'est sur moi que ça a tombé, alors que j'ai rien fait, hein. Si elle voit cette vidéo, désolé, c'est pas mon idée, je sais même pas qui a fait ça, d'accord, je connais pas la personne. Bon, sans plus attendre, trêve de blabla, trêve de plaisanterie, on commence tout de suite avec tu préfères. Tu préfères te passer de musique ou te passer de livres? Choix très très compliqué, parce que les livres c'est quand même très très important, mais la musique c'est, ça fait du bien quoi. Enfin les livres aussi ça peut faire du bien, je dis pas le contraire, attention, hein, ne commencez pas à m'attaquer, me dire oui Mathis tu dis que les livres ça fait du bien, gna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 gn
Ouais, mais c'est vrai que pas se laver, c'est quand même. Ouais, manger après t'as faim, t'as faim. Mais 3 jours, 2 semaines, tu pues, tu sens le mort, tu sens le mort. Déjà qu'au bout de 2 jours, t'es pas bien. Je sais, ne dites pas, ça m'est jamais arrivé de pas me laver pendant 2 jours, ne me dites jamais ça, ne me dites pas ça. Même moi qui suis l'homme le plus propre du monde, ça m'est déjà arrivé. Il y a longtemps, hein. Mais ça m'est déjà arrivé. Maintenant, c'est plutôt je me lave tous les 2 fois par jour. Mais sinon, non, c'est pas vrai, mais ça s'est déjà arrivé à tout le monde, je suis désolé. Qui n'est pas resté un peu crado chez soi un week-endos? T'es là, tu regardes une petite série, Game of Thrones, La Casa de Papel, de la connerie de ta race, et t'as pas envie de te laver, tu regardes 8 épisodes à la suite, et puis t'es comme ça, comme un crados là, hein? Qui n'a jamais fait ça? Qui ose me dire le contraire? Vraiment, qui vienne, vraiment, qui m'envoie un message, qui me dit dans la description, moi, Baptiste, ça ne m'est jamais arrivé, durant toute ma vie, de ma naissance à aujourd'hui, de ne pas m'être lavé pendant 2 jours. Qui vienne me le dire? Qui l'ose? Qui l'ose? Et il verra, il aura affaire à moi. Je vais recevoir 8 commentaires, ça c'est moi, ça m'est jamais arrivé, etc. Frère, j'arrive plus à parler, je raconte n'importe quoi. Cette vidéo part en vrille. Voir ton père dans l'île de la tentation, voir ta mère dans Confession intime. Ça dépend. Si elle est témoin, ma mère, ça va. Si c'est elle la tueuse, je préfère voir mon père dans l'île de la tentation. Hein. Alors, on va dire ça parce que je suis sûr que c'est ça qui expose, c'est qu'en gros ta mère elle a tué quelqu'un ou ton père il est en train de draguer toutes les meufs qui existent au monde. Ouais, et bah écoute, je préfère la drague que la mort. Hein. Ressusciter Jimi Hendrix, ressusciter Mozart. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mozart, vous savez qui c'est? Jimi Hendrix, c'était un chanteur-guitariste qui a fait énormément de tubes. Exceptionnel. Jouer de la main gauche, un ouf, c'était un oufissime, le roi du rock'n'roll. Mozart, parce que c'est plus vieux, Jimi Hendrix, on va dire qu'on a plus d'infos sur lui que Mozart. Mozart, c'était à une autre époque, il y a plein de trucs qu'on sait peut-être pas forcément. On pourrait lui poser des questions sur le passé déjà, etc. Jimi Hendrix, c'était il y a pas très très longtemps, donc ça va. Bien évidemment, mais à un moment donné, comme on dit à Marseille, à un moment donné. Quand tu choisis, faut bien choisir, faire le bon choix. Si tu fais pas le bon choix, ça part en vrille, ça part en cacahuète, merde, putain, con de ta race. Avoir l'air bête sans l'être réellement, être bête sans que ça se devine. Moi je suis le numéro 2, hein, c'est-à-dire je suis débile, mais les gens pensent pas trop que je suis débile, enfin ils savent pas trop, mais en fait je suis complètement con. Du coup, sans l'être, mieux vaut être intelligent, même si t'as l'air bête, on s'en fout, on s'en fout de l'apparence, le plus important c'est ce que t'es vraiment. Et ouais, je parle comme dans les séries Disney, ouais, il faut être le meilleur, on s'en fiche des autres, oh yeah, eh, eh. Bon allez, on va faire une catégorie, c'est la catégorie YouTubeur maintenant. Donc c'est un autre délire, ça veut dire que ça parle de YouTube. Comme c'est un peu mon métier, ça me paraît logique de faire ça. Alors, faire un vlog toutes les semaines, un what the cut tous les mois. What the cut, c'est chaud. Les vlogs, j'en fais de temps en temps. Ça peut être intéressant, ça dépend comment c'est tourné. Les vlogs à la Mixem, c'est pas les vlogs à la Romy. Désolé Romy, j'ai rien contre... Oh non, putain. En plus, j'en connais qui l'aime bien Romy. Mais tu regardes la charge de travail entre le vlog d'Amixem et le vlog de Romy, par exemple. Comment ça s'appelle? Romy, c'est du lifestyle, c'est une catégorie très respectable. Mais Amixem, tu vois, c'est de l'aventure. Si on part de l'autre côté des Caraïbes, on va faire une enquête, on va faire tac tac tac, on fait du drone en Islande, il y a un délire. Romy, c'est plus on est à Paris, on essaie des fringues, etc. Donc franchement, quitte à faire un vlog toutes les semaines, autant faire un vlog à l'Amixem. Voilà, j'ai rien contre Romy, je suis abonné, hein, je crois. Je suis abonné. Oula, j'aurais peut-être pas dire cette phrase. Bref, non, je crois que je suis abonné parce que c'était la meuf de Prince à une époque et que j'aime bien Prince. Voilà. C'est pour ça, calmez-vous, commencez pas à me dire ouais, je suis sûr que t'adores Romy et tout, t'es amoureux d'elle. Ouais, j'adore Romy. Et alors, t'as un problème avec ça? Merde. Mais c'est quoi des pubs? Putain, mais c'est quoi des pubs de merde? T'es pas d'accord? C'est pas dégueulasse comme pub? Attends, je vérifie que j'enregistre bien, parce que si ça s'enregistre pas, la con de leur mort, ça s'enregistre pas, je pète un câble. Regarde, c'est des jeux de merde! Qui joue à ça? Mais en plus, y'a des gens qui jouent à ces jeux de merde, et putain, mais qu'est-ce que c'est? Oh putain, dégage, allez, dégage, dégage. Ouais, mais je laisse les jeux, c'est quoi? Parce que j'ai envie de vous parler. Hein. J'ai envie un peu de vous parler. Là, je m'exprime, je me montre à vous, là. Merde, je me dévoile. Avec le tu préfères, je vous dis mes préférences. C'est ma préférence à moi. Écoutez, cette chanson, elle est cool aussi. Oh, je suis fatigué. YouTube ou Twitch? J'ai fait du Twitch un peu pendant une période. C'est pas que ça m'a pas plu, mais c'est que c'est très compliqué. Il faut le matériel derrière, je l'ai pas vraiment. J'avais Shadow, donc ça commençait un peu à marcher. Mais j'avais qu'un seul mois, j'ai arrêté parce que c'est quand même assez cher et que je ne suis pas Rothschild. Du coup, YouTube, c'est plus facile à faire, hein, franchement. Enfin, c'est plus facile à faire. Pas plus facile dans ce qu'il faut faire, il y a du montage, il y a des délires. Mais mon matériel suffit pour YouTube, ne suffit pas pour du live. Du coup, YouTube. Allez, une petite dernière pour la route sur YouTube. Oh putain, non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, en plus, non, non, mais c'est quoi ce jeu de merde? Qui aime les maths? Il y a des gens qui aiment les maths, merde. J'ai beaucoup d'abonnés S, ouais, mais des fois, ils aiment même pas les maths. Ils savent pas pourquoi.
Voilà, ça c'est une bonne question. Rencontrer un youtubeur connu mais que tu détestes ou rencontrer un youtubeur pas très connu mais que tu adores? Je vous la pose cette question. Préférez me rencontrer moi, je suis pas connu mais vous m'adorez, ou Squeezie mais vous le détestez? Hein, ça c'est la vérité, je sais vous préférez moi Squeezie. Vous me préférez Squeezie, je le sais. Ne mentez pas s'il vous plaît, merci. Bien évidemment, c'est évident, je préfère rencontrer quelqu'un que je kiffe, peu importe sa notoriété. Frère, moi c'est la personne que je kiffe, c'est pas sa notoriété, c'est pas ses abonnés que je kiffe, c'est lui. Bonne phrase ça. C'est pas tes abonnés que je kiffe, c'est toi. Dites-le moi en commentaire. Je rigole. Regardez comme il est beau. Je l'ai rencontré, je l'aime bien, c'est pas pour ses abonnés que je l'ai rencontré. Voili voilou quoi, tout est dit. Sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre la cloche. On se retrouve samedi tout simplement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, ne taguez pas mes abonnés qui sont au lycée ou quoi, ne taguez pas, ne faites pas des bêtises. À la limite, mettez une petite affiche, un petit tract si vraiment vous voulez faire de la pub, je vous autorise. Hein. Mais n'allez pas dégrader, c'est tout ce qui compte. À la limite, mettez dans tous les casiers des papiers, ouais. Le type, il essaye d'exploiter ses abonnés. Non, je rigole, ne faites rien du tout, mais ne taguez pas, vraiment, c'est pas une bonne idée. Ça peut juste mal se terminer et personne n'en a envie. N'hésitez pas à partager, car vous êtes tous des influenceurs. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée. Ciao, ciao.